mettez-vous trop à l'aise dans la chair surtout. Et même quelquefois dans le naturel, si vous mettez-vous trop à l'aise, vous n'êtes pas spirituel. Et résultat, nous gagnons le. Vous mettez l'ennemi à l'aise, il va en pile problème. Pour le résoudre. Donc, nous avons un problème pour nous prendre soin. Et nous souhaitons que nous comprenions qui ça nous avons pour nous faire. Nous avons un problème pour nous faire. Nous comme peuple. Nous avons un réunir et puis satisfaire avec n'importe qui ça. Ou bien, nous prenons n'importe qui gens. Il va comme ça. Il y a un groupe de peuple, depuis qu'ils réunissent, chanter deux cantiques, et puis ils sont à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise dans ça. Nous voulons la présence, l'Esprit de Dieu. Et autant que le pas comme ça, nous n'avons toujours pas à l'aise. Et nous avons toujours un travail pour nous faire une affaire. Tant que le Seigneur permet que nous faire. Le lâcher réunion à côté, c'est des boules là, c'est l'achèque là. Bah, on se comprend ça. Depuis le monde réunion à côté, on a le diable en présence. Monde, on se voit, il y a 10 mounes. Il y a un diable 10 mounes, il y a un diable grand monde, il y a un diable mon âgé, il y a un diable adulte. Il y a un diable qui va mourir, un diable qui fait fête, tout ce diable. Alors, on réunit ensemble avec tout dispositif ça, yo. Diabolique ou démoniaque, j'en relis là. Sans l'Esprit de Dieu, ou voué à l'échec. Parce que naturellement, sans mon Dieu, nous pas rien. Sans mon Dieu, pas seulement suffit. Et sans miracle, bon Dieu. Sans mon Dieu, a suffit sans approbation, bon Dieu. Et ça, je le dis. N'importe qui l'aurait parlé de sans Dieu, on parle de sans approbation de Dieu. On va gagner. Et approbation le Seigneur en mi-temps, donc on va gagner pas mieux. Et l'approbation, bon Dieu, là, on va voir. C'est même avec Nadab et Abihu. Si nous sommes jeunes, fait ça. Mon qui a joué dans la lecture. Ils ont porté une adoration étrangère sous l'autel là. Il produit la mort. Il produit la mort. Et là, toujours comme ça, et n'importe qui l'a porté à adoration étrangère, que c'est sous table cœur ou bien l'autel général du temple, a toujours gagné la mort. Et le la mort frappé, il frappé Dieu. Et m'dare mon konon bagay. C'est pas où me toi envie ouais. M'envie ouais l'esprit de Dieu parmi nous. Comprend ça mal ou non mais. M'envie ouais l'esprit de Dieu parmi nous. Mais gen baga le existe, nous pas gen l'esprit de Dieu parmi nous. Gen travail pour nous faire. Maintenant, j'ai un appel pour me faire et ma fin livre c'est ça. Hein? Qu'est-ce que je fais travail là? On est à partir du verset premier, oui. Qui va nous appeler? Vous voyez ça? Ok. Israël demeurait à Sittim. Et ça c'était une nan place côté que Israël te font camper. OK. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
Et là, il dit, le peuple là, a parlé, les hommes d'Israël, principalement. Maintenant, mais ça va le produire plus tard. Elles évitèrent le peuple, elles, les filles de Moab. Parce que n'importe qui l'on a connivance à la commune, il a invité la Kaeli à manger la Kaeli tout, à adorer Dieu. Parce que le vin est mis. Et c'est ça qui est arrivé. Je dis à nos baguins, les enfants d'Israël à Sittim, dans la plaine de Moab. Ça fait Moab et Amon, c'est de mauvais souvenirs pour nous. Mais l'arrivée dans une zone là où tu as veillé quand tu es arrivé, tu n'as pas songé passer Moab. Il n'y a pas songé ça. Ouais, c'est la généalogie utile. Ouais, on a appelé généalogie dans la Bible, nous lit non ça engendré tel monde, un tel engendra un tel engendra un tel, jusqu'à ce que. Mais, il est utile pour qu'on ait qui est-ce qui engendre qui est-ce. Nous songeons que Jean Moab et. Il y a Amoné, pas vrai? N'a pas songé? Songez ça. Hey! Donc, c'était les filles de. L'eau. Les filles de l'eau? Les filles de l'eau. Et tout ça, c'est production. Impudicité, c'est production, iniquité, ça y est. Et là, comme ça, ou pas demeurer près, pas qu'à conseil. Ça fait n'importe qui est-ce qui demeurer près. La montagne des Aïe, ou la montagne de Seir, si c'est l'or été, faut chercher qu'on est qui bon. Esaü sautit, m'a dit Esaü, m'a dit Esaü. Qui ça, montagne de Seir, là? Ouais, ce sont étudiants spirituels dans la parole de Dieu. Il faut comprendre la providence des choses. Et le sauvé qui boit, qui s'assotit. Et ça, bon, meilleure attitude. Et. Ou bien comprendre. Et pas que l'autre bagage n'a qu'à faire. Que ça. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Maintenant, si c'était simple comme ça, ou t'as compris, parce que même ça, vous bien comprendre dans ça. L'on groupe mon invite au nom bagay, yo pas seulement invite au nom action, yo invite au nom adoration. Pour ça me dit a fait sens pour. Quittez-moi dire. L'on groupe mon invite au nom bagay, yo pas invite au nom action seulement, yo invite au nom adoration. Et toute adoration qui implique faux dieu, il est abominable. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Qui peuple ça? Le peuple d'Israël qui rivait par la séduction des filles de Moab, rivait prosterné devant les dieux de Moab. Et t'as le quoi le nom là? Israël s'attacha à Baal Péor. Il pas dit n'importe qui ça. Israël s'attacha à Baal Péor. Il a coulé de l'éternel. T'as le, plusieurs types de Baal, mais divinité ça, c'était une adoration de la fécondité. Et l'ordre de où il y a adoration de la fécondité, ça, c'est sans l'ordre, sans principe de Dieu. C'est débauche. Et l'arrivée dans une zone, ça raconte que c'est débauche. Il n'y a pas une simple action de débauche. Il y a une adoration. Et ça fait, le Seigneur prend note de qui le yon moun naïvement tombé dans une situation.
avec l'homme professionnellement tombé dans une situation. Il y a une différence comme ça pour le Seigneur. On va peut-être rester sous ça là, qu'on y est là. Mais l'un garde qui Jean-Bon Dieu juge cas, ça a une importance pour lui. Ça a aidé à comprendre que Jean-Lieu les choses. Lorsqu'on tombe dans l'adoration, il y a une simple naïveté, son entraînement qui mène un cœur attaché à un Dieu. En pile là, on est arrivé à faire ça avec simplicité. Et ouais, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mesdames, vous parlez de Dieu, on allait, on a adoré Dieu pas maintenant. Il y a des rappels d'elle. Il n'y a pas besoin de conquérir. Il n'y a pas pris le temps pour comprendre le passé des choses. Puis on étudier, mais qui nation il y a qu'il faut inviter là? Quand on sortit qu'il faut venir inviter mal adoré Dieu là, qui généalogie Dieu là, Baal Péor. Attendez, ça va causer. Israël s'attacha, il va seulement à faire une adoration, non? Que l'attaché à Baal Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Immédiatement, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Non, mais qui ça m'a dit matin? Matin, Dieu l'a qu'à physiquement, naturellement, parler Baal Péor. Mais là, qu'on l'autre, non? On n'a pas qu'à peut-être ni connaître, ni connaître le sorti, ni provenance li, mais c'est Dieu. Et mais appelle-moi. Hein. Tout le monde qui sentit que cœur, appelle loyer du Seigneur, dans un sens ou dans l'autre, besoin font bagaille matin. Soit par les ruses du diable, ou bien par entraînement personnel de la chair, par amour qu'on a perdu vous, bon Dieu, et on va aller vers une autre instance, une autre adoration. Besoin font bagaille matin. Qui s'allie dans le mal du? N'importe qui est-ce qui sentit que lui a perdu émotion pour bon Dieu là. Mais la pour augmenter dans l'autre zone, besoin font bagaille matin. Est-ce que c'est Astarté? Est-ce que c'est Mammon? Est-ce que c'est Éphèse? Gagnons. Est-ce que c'est à Éphèse? Ou va l'adorer? Est-ce que on va adorer des dieux de la terre? Est-ce qu'on va adorer le veau d'or ou le dieu d'Apis? Il y a un bagage aujourd'hui, il y a pas le dieu, mais dans presque chaque capitale au passé, au Réunion, il y a l'obélisque. Parce que sur chaque tête de l'église, ou passer au Réunion. Li fait un comparatonner en anglais ou le stilt. Et il sous tête presque chaque église ou passer. Ça a réglé comme ça. Il a pas adoré le dieu de la fécondité. Oh gars. Et presque chaque bagage aujourd'hui a tout nom Dieu dans le monde. Et par les ruses du diable que nous attachons à eux-mêmes sans nous pas rendre compte. Nous seulement on a fait mouvement. Ça m'a dit là, les fragiles, les certaines fois invisibles, les très susceptibles, certaines fois qui démutilisent les mots sales cachés. Le monde va aller vers des dieux que vous ne connaissez pas.
des dieux dont vous ne connaissez pas. C'est pas comme ça le dit dans Acte 17 là. Leur consacre, vous êtes les adorateurs ignorants. Vous avez adoré des dieux qu'on pas connaît, mais qui remplacent bon Dieu à l'envie. Eh, qui t'aime dire ça? Mais c'est temps où vous allez gagner ça. Vous allez sentir où vous venez tiède d'esprit. Et prier avec adoration, yo sanction. Yo pas de connexion. Alléluia, yo. C'est le bagage ou ap di dans l'air, mais l'esprit en l'autre côté. Ou ap voir ou bon l'autre attachement. Ouais, si c'est bal payon que va pas adorer, m'lo connaît que le Seigneur a un problème avec ça. Oh oui. Avant de lire verset 4 là, qui t'aime lire Jérémie chapitre 2, hein? On est capable de faire un bagage là. C'est pas plaisanterie qu'a fait là, non, mon Dieu. On nous montre deux bagages là. Ok? Comment c'est le verset 20 là? Tu as de longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée, sur toute colline élevée, et sur tout arbre vert, sur tout arbre vert, c'est ça que fait. N'importe qui adoration, arbre vert, les suspects. Et ça fait non pas encourager personne à chercher sapin. Maintenant ça dans la caillou. Et donc belle adoration, mettez tir lumière là-dedans, mais son adoration lui. L'adoration de l'arbre vert. Mon beau sapin, waterfall. Vous pensez le simple comme ça, on va chanter cantique là. On dit mon beau sapin, waterfall, si on y a chanté le dans le kindergarten. Et puis son adoration li. Et toute colline élevée, sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Tu t'es courbé comme une prostituée. Pas oublié. En femme prostituée, son femme qui a plusieurs maris ou bien plusieurs mouns li servi avec elle. Et spirituellement, ça a un sens tout. Israël, et il pas parlé en physique là, mais Israël, spirituellement, t'es prostitué. Parce qu'elle a plusieurs chefs, plusieurs instances qui ont autorité dans la ville, qui ont autorité sous nation, en d'autres termes, sous corps. Je t'avais planté, tendez verset 21, tendez verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Comme une vigne excellente. C'est comme ça me planté, c'est seulement ça me met dans la terre. Et du meilleur plan. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Comment on va changer sous moi Israël? Dégénérer en une vie étrangère. Comment faire dégénérer en une vie étrangère? Qui est-ce qui sentit l'esprit l'a changé sous mon Dieu? Réveille-toi, toi qui dors. Oh gars. C'est pas comme ça que tu es planté. C'est pas seulement cela, ça. Qu'on dégénérescence. Qu'on corruption. Qu'on va gagner que la place qui bat là. Oh Seigneur, qui t'es trompé tout sonner dans le cœur, hein? Comme qu'à réveiller. Je veux réveiller, Seigneur. Suis-moi, verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Dit le Seigneur l'Éternel. Il y a un bagage où faire, il prend le temps. Le nitre. On nous parle d'écrit le cougnier là, mais c'est yon. C'est yon. Son acide piqué. Mais le nettoyer tout. N'a pas suivi. N'a pas pris. Le nitre.
Il dit même si nous t'a servi avec nitre, avec potasse, nous connaissons potasse, savon, pas vrai? All right. Ton iniquité resterait marquée devant moi parce que gen bagay ou fait li grave. Gen bagay qui pas mérité seulement nitre et potasse, gen bagay qui mérite le sang. En passant qui te me dit ou gen bagay potasse pas ka laver mais le sang de Jésus ka laver. Potasse trop utile, bagay assez puissant sous iniquité. Et une façon pour jouer un nettoyage iniquité par faut que sans pas couler pas sans physique là pas sans rouge là faut qu'on l'autre sang pour couler t'as l'embrasse montrer ça pour qui ça gain iniquité crée les crimes. Et si n'est pas mon gichita là, il y a un crime sous conscience. Li. Vlo connaît que le Seigneur a besoin de changement. Et pas qu'on sorte planté. Ça faut changer sous mon Dieu là. C'est pas ça qu'on te met dans terre. Comment on fait arriver quand on arrive là? Seigneur, a pitié pour nous. T'as l'homme qui montre qui ça pour faire. Mais qu'on appelle devant le Seigneur matin. Mais n'importe qui est-ce qui sentit l'inan compte avec le Seigneur dans l'esprit. N'importe qui est-ce qui sentit la perte de l'esprit de Dieu. N'importe qui est-ce qui sentit la perte du contact lié avec le ciel. N'importe qui est-ce qui sentit la vie pâle. N'importe qui est-ce qui sentit la vie tiède. Bon bagaille pour faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Glory. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les Baals. Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Regarde tes pas dans la vallée. Regarde les pieds. Regarde les pieds dans la vallée. Regarde les marques pieds dans la vallée. Regardez pas. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Comment ça s'appelle un dromadaire? Un dromadaire en forme chameau. On différencie. Oui. Il y a un seul boss. Il n'y a pas capoté. Il n'y a pas un côté pour le recevoir. Rebecca. Par contre, il me dit direct à top. Oh, oui. Oui, Eliezer va voyager sur dromadaire. D'ailleurs, dromadaire n'a pas un côté pour le bout de monde. Ils sont bêtes, très égoïstes. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Tendez bien, oui? Ânesse sauvage, habitué au désert. Haletant dans l'ardeur de sa passion. Uh-huh. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Uh-huh. Il la trouve pendant son mois. Il la trouve pendant son mois. Pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non. Car j'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Je veux aller auprès, après eux. Je veux aller après eux. Oh God. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris. Lorsqu'il est surpris, puisque au barreau. Ou balvé, ou ouais, mais ouais.
Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur. Leur sacrificateur. Et leur prophète. Et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent. Quand ils sont dans le malheur, ils disent. Oui. Lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes. Vous connaissez exactement ça nous fait? Nous avons besoin de Dieu protecteur. Mais nous ne pouvons pas faire sacrifice pour une fidèle à lui-même. Où est le verset ça encore? Et ils disent au bois. Depuis, oui, verset 27. Tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent. Ils disent. Lève-toi. Sauve-nous. L'on entre à Kawa dit. Pas quitter m'bou contre moi. Sauvez. Bénis. Moi besoin. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Là où est. Je vais lire verset 29 là tout. Maintenant, moi, qui me dit ça? Que nous attachés à d'autres dieux, mais nous avons besoin le Dieu Jéhovah pour protéger nous. Pour qui ça? C'est parce que Dieu a pas qu'à sauver. Et mais comment lier? Attaché à d'autres dieux, ça signifie attaché au plaisir de ce monde. Attaché à une divinité pour me faire plaisir. Ah oui? Mais en final, je ne peux pas faire sacrifice pour moi, rester avec le Seigneur. Alors, pour qui raison? Même besoin, bon Dieu, non. Il nous fait exactement le même bagage. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, lève-toi, sauve-nous, sauve-nous. Exactement ça nous fait. Sauvez-nous. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, les hommes étaient égoïstes comme ça. Ils ont besoin le Dieu pourvoyeur. Ils ont besoin le Dieu guérisseur. Ils ont besoin le Dieu protecteur. Mais ils ont un cœur attaché à d'autres dieux. Et quand on vient bagarre l'aide qui a privé dans le monde, là, je dis, on regrette pour ça arriver, mais il arrive, son nature lié. Hey, dans le monde ça à côté de la vie aujourd'hui, il y a une femme qui doit gagner un monde pour chaque bagage qui a besoin de la vie. Hey, c'est une prostituée. Il a besoin de monde pour chaque bagage. Il est obligé à aller avec yo chaque. Hey, il va tomber dans la confusion. C'est ça qui arrive là. Le rive en face la lumière, il va tomber dans un sens confus. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Il va aller en face. Il va aller en face. Il y a une déception un jour. Moi, ça arrive déjà. Je vais dire un autre bagaille. Pour qui ça faut penser un monde à adorer plusieurs saints? Il besoin de Saint-Joseph pour un bagage, Saint-Anne pour l'autre.
Saint-Yves comme avocat. Il a besoin de Saint-Joseph, il a besoin de Saint-Paul, Saint-Antoine de Padoue, ou bien de Godé. Si mal dit, corrigez-moi. Non. Il a besoin de l'autre, mais chaque résout un problème pour lui. Donc, problème, il a besoin de résoudre. Et là, il tombe dans une situation difficile, il va côté Saint-Yves là. C'est pas même, il va prendre côté même saint, hein. Là, il y a un autre problème, là, il tombe dans l'autre tracas. Le monde comme ça, yo servi un saint pour un type de problème. C'est ça, les paganistes, non même. Yo servi plusieurs dieux pour plusieurs raisons. Son esprit prostitué lié. Ok, plusieurs dieux. Je dis à, et pas étonnant, dans l'église, vous toujours prostitué spirituellement. Vous avez le Dieu vivant et vrai, vous avez le Dieu Jéhovah, vous pas satisfait avec, vous avez plusieurs autres. L'autre embranchement, ou plusieurs autres zones, ou font adoration pour l'argent, ou font adoration pour orgueil, ou font adoration pour pouvoir, ou font adoration pour chaque bagaille. Oh God. Qui s'est arrivé là ça? Ou pas fidèle?